Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Corner Kick. Alors, après le premier épisode, la Ligue a reçu beaucoup de demandes pour que je reste votre animateur tout au long de cette saison. Donc me voici. Et puis il faut dire que mon équipe n'a pas beaucoup de chances de faire la finale cette année. On ne peut pas dire que ça se passe super bien. Ça me laisse pas mal de temps pour l'émission et ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la Division 1 et particulièrement au match entre Avanti et FC International. La Division 1 c'est l'antichambre de la Premiership, des équipes qui se battent pour terminer première et gagner leur accession en Premiership et aussi pour jouer les playoffs et gagner le trophée de la Division 1. T'as suivi le match. Ouais. On est là pour merci. Ça. Et c'est ça, c'est, tu peux nous parler de ton but, ton corner direct. On était en train de perdre, donc il fallait dénouer un petit peu la situation. Je me suis dit que tout le monde attendait que je mette la balle sur la tête de quelqu'un et je me suis dit, je vais essayer de la mettre direct. Et j'ai eu de la chance, le gardien il a un peu raté son coup et la défense s'y attendait pas et elle s'est rentrée dedans. Donc c'est des coups de poker des fois qui marchent bien, donc c'est tant mieux pour l'équipe. Tu veux nous parler? Attends, mais oui, tout le temps. Ça me rajeunit pas tout ça. Mais un personnage clé de la Ligue. Ah, c'est gentil, c'est les années, très les aimable années de votre part. Si jamais vous n'êtes pas là, la Ligue ne pourrait pas avoir lieu, c'est pas possible. C'est vraiment, j'apprécie beaucoup vos commentaires, mais c'est un plaisir pour moi. Je trouve ça exceptionnel de venir et de s'amuser avec des gars. Je leur dis toujours, écoutez, amusez-vous. C'est le secret. Hein. Et je pense que c'est une très bonne saison qu'on a fait. Là. Je n'ai pas encore vu le classement, mais on était en troisième position la semaine dernière. Okay. Et là, on s'en va, je pense, en demi-finale. Et ce que je leur ai demandé, c'est d'aller jusqu'à la finale. Okay. Et puis peut-être de la décrocher. On sera là pour voir ça. Exactement. J'ai un parcours que vous connaissez très intéressant, mais il reste que un coach, c'est bon, mais sans les joueurs. For sure. Put your swag on. Yeah. You know. So, what was the game today? It was in inferiority, so it was pretty hard. Yeah, we were missing a couple of players. You know, we're in summertime, so some of them have to leave. But I mean, we played fairly well. Yeah. I'm Brazilian personally, yeah. And I used to play back in Brazil, okay. in a team Vasco da Gama, like the base team. Yeah. Yeah. And here I used to play for Dawson also, and we play like against Impact. But. I mean, we're high-class players, right? And like, and some players here from like all over the place too. But the thing is, we just got to know them this year, so okay. we weren't. It's the first year of the team. Yeah, together. Okay. You know, so we still getting to know each other. Yeah, so and how we play. So, yeah. You went to Brazil, you know, obrigado. From Guyana. So. Oh, yeah. French Guiana. Well, where are you from Brazil? Rio. Rio de Janeiro. Carioca. Yeah, Carioca. Oh, okay. You know, bro. Vasco. Yeah, bom, Vasco. You know Vasco. Yeah, France Crush. Yeah, that's it. Yeah. On joue au milieu de terrain, quand okay. tu joues là, tu as plus de vision. Si tu viens avant l'arrière, tu es capable de voir tout le terrain, donc c'est plus facile. Et tout le monde a bien joué, et les gens étaient bien positionnés. Donc, et qu'est-ce qui t'a fait reculer aujourd'hui en défense centrale? Un manque de joueurs, le coach okay. a décidé de mettre là, alors, mais quand même un effort d'équipe parce que tout le monde s'est bien positionné. D'accord. Ça devenait facile justement de relancer le jeu. Oh, ben, je joue au professionnel il y a une vingtaine d'années, et là, okay. tranquillement. On se posait la question à vrai dire, donc on est content de ça. Tu joues professionnel où ça? J'ai joué en Israël en première division. Ok, ouais. D'accord, quelle équipe? L'équipe de Lod, la ville d'accord. de Lod. Et, on parle d'à peu près les années 98-99, donc deux ans de pro. Tu jouais déjà milieu de terrain là-bas? Oui, tout le temps milieu de terrain. Je jouais ici à McGill aussi. Donc, okay. D'accord. Est-ce que vous avez pour but à terme de finir premier, d'aller en première chip ou vous êtes bien en division 1? Non, absolument. C'est pour ça qu'on fait ça. On aime bien le côté compétitif. Donc du coup, c'est ça. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de joueurs qui... C'est une nouvelle équipe, donc on est en train de se former. Il y a pas mal de jeunes, il y a pas mal de vieux aussi.
L'idée, c'est que dans 2-3 ans, on est capable de, voilà, d'aller un petit peu au-dessus. J'applique toujours la méthode de discipline, de s'assurer de ne pas discuter avec les arbitres, de ne pas perdre les énergies avec, les appels. Ouais. Ce sont des humains. On rate, mais on est dans l'avantage. Mais il reste que je suis très heureux cette année, de cette saison. Vraiment, vraiment très, très content. Alors, après avoir vu la Division 1, nous voyons quelques images de la Division 2. Une division qui se situe donc en dessous de la Premiership et de la Division 1, où les équipes se battent chaque journée pour gagner leur accession à la Division 1 et plus tard peut-être aller jouer en Premiership. C'est une ligue qui va se différencier, on dira, sur le niveau tactique. Comme vous voyez, il y a plus d'espace, il y a plus de place pour tirer, donc ça donne plus de spectacles, plus de buts, plus d'arrêts de gardiens. Et le niveau technique est à peu près égal au niveau de la Division 1 et de la Premiership. Et donc c'est une ligue très spectaculaire qui est aussi très plaisante à voir. On revient à la Division 1 avec le match de ce soir entre le FC International et Ubisoft. Ubisoft qui est une équipe légendaire de la Ligue Corporate Canada. Cette équipe est là depuis quelques années dans la Ligue. Pendant plusieurs années, ils ont eu une équipe en chaque division, en Coed, Division 1, Premiership. Alors on peut vraiment dire que c'est une entreprise qui aime créer de la chimie entre ses employés en leur permettant de jouer ensemble, de créer des automatismes sur le terrain et pour ensuite apporter toute cette chimie et toute cette complicité au sein de l'entreprise et effectuer un meilleur travail. On se demandait si le fait de jouer ensemble comme ça, tu sais, parce que ça fait longtemps quand même Ubisoft, ouais, est dans la Ligue, ça fait longtemps que tu joues dans la Ligue, je l'ai vu souvent, ouais, quand tu joues contre toi. On se demandait si par exemple ça créait quand même beaucoup d'automatisme, ça aidait au travail, tu sais, ça créait une dynamique, ouais, de groupe. Définitivement, ouais. On a 5 équipes de Ubisoft engagées dans la Ligue, donc à travers les divisions, donc c'est sûr qu'on se connaît plus ou moins tous, ça fait une communauté, tu vois, ça c'est ouais, important, puis les gars s'entraident, puis... Au bureau, après, c'est sûr que l'ambiance est meilleure. Là. Quand okay, tu connais ton pote qui t'a fait la passe la veille, ça aide dans le travail, ça c'est sûr. Là, même si on ne travaille pas tous dans les mêmes projets, ben, c'est pas grave. Il y a de l'entraide. Puis on fait partie du soccer à Ubisoft, là, ça c'est clair. Vous travaillez aussi chez Ubisoft ? Oui. Ouais, ce qu'on disait, c'est que ça crée quand même une belle dynamique de groupe, en fait, de travailler ensemble et surtout après d'aller jouer ensemble. Ça bien sûr, c'est le but de jouer, ouais, le soccer, c'est ça. Y a un petit plaisir individuel quand on marque les buts, mais ouais, c'est surtout de se retrouver entre copains et puis essayer de bien jouer au ballon. Okay, c'est ça. Un peu difficile parce que tout le monde joue. La plupart des joueurs ne jouent pas vraiment à leur place. Donc ouais, après, c'est une équipe, chacun fait l'effort pour l'équipe. C'est l'équipe. C'est ça. Et puis, c'est ce qu'on disait, qu'en fait, la Division 1, c'est une division qui vous va assez bien. Enfin, en plus, c'est la première année, donc vous pouvez juger quoi, que peut-être, je ne sais pas, mais plus haut, ça allait être un peu compliqué. Et puis plus bas, peut-être un peu plus simple pour vous, donc peut-être là vous êtes à votre bonne place et c'est pas mal. C'est bien, je trouve que c'est assez homogène, peut-être une équipe ou deux un peu plus faible dans le groupe, mais c'est assez homogène, donc c'est toujours plus intéressant de comment on gagne les matchs. Je pense que si on était en Premiership, je pense qu'on prendrait pas mal de valises, je pense. Moi qui joue dans la Ligue depuis quelques années aussi, ouais, ça m'est arrivé de jouer contre vos équipes, ouais, en Premiership, ouais, ou même en Division 1, vous coachez dans plusieurs divisions. Ouais. Pourquoi cette année vous êtes inscrit en Division 1? Parce que, deux raisons. La première raison, c'est que la Premiership est encore beaucoup plus compétitive, ouais, ça demande beaucoup plus. Ça demande évidemment des entraînements, mais il reste que cette année j'avais envie de relaxer un peu plus. Ouais. Et puis ce que j'ai vu, ce que j'ai vu cette année de la Division 1, c'est très compétitif. How the season's going? It's going not too bad. You know, we got a couple wins the first couple of games and now you know, next game is already the last game. Yeah. So it's not bad, you know, our team is like keeping up, we're going to practices and everything, it's chill.